Bonjour à tous, ici Classim et on se retrouve pour ce 24e épisode sur The Settler 7. Donc en guerre contre Lord Wolvering et l'évêque Mathéus. On avait réussi dans l'épisode précédent quand même à repousser Mathéus et il ne reste plus que deux secteurs à cet homme-là. Par contre, Wolvering était venu jusqu'à prendre un de nos secteurs qu'on n'avait pas suffisamment protégé ou tout au moins pas protégé assez rapidement. Donc il va falloir essayer de le récupérer. Repousser Wolvering, bah, ça va pas être si évident que ça parce qu'il va avoir une bien meilleure armée que nous. Il va falloir augmenter nos défenses, ça c'est à peu près sûr. Donc sans plus attendre, eh ben, on va se lancer dans la partie. Monter les secteurs que l'on peut. D'ailleurs, on peut pas plus que ça, c'est un peu bizarre. Pas la possibilité d'avoir des meilleurs. Ah, je l'ai pas fait. Your building has been upgraded. Voilà. On a encore un petit peu de retard quand même. Construire des améliorations là où je peux. Améliorer. Voilà, on va se permettre d'améliorer par ici. Voilà, pour avoir les fortifications. Monter plus. Tu vas me dire que je peux pas monter plus mes fortifications. Ah mais c'est Wolvering ça, d'accord. Ah d'accord, il m'a pris ce secteur là, donc j'ai plus accès à la cathédrale. Enfin plus aussi facilement. Ça c'est gênant. On va améliorer les bâtiments que je peux. La forteresse a été construite, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je vais pouvoir construire des armées liées à ce secteur là. Et je ne peux pas parce que pour l'instant je n'ai pas augmenté ce qu'il fallait, donc on va améliorer ici un petit peu, ça fera toujours d'autres prestiges de plus. Et je vais bien augmenter. Voilà. Ma caserne, ça je vais en avoir besoin. Normalement, je devrais toujours avoir accès à pouvoir livrer ça, ouais, c'est possible, mais il faut 38 marteaux. Et c'est pas vraiment ce que j'ai pour l'instant. Bon, je construis beaucoup de choses, donc la fonderie et autres, ça va être amélioré. Ça, je vais y augmenter aussi. Par contre, donc on avait dit que Wolvering il y avait deux armées. Deux généraux, donc ça peut être plutôt problématique pour nous. Il va falloir qu'on essaye de se recruter un général Théobald de Bruxelles dans le commandement des mousquetaires ou des canonniers contre des troupes. Ça, on va le recruter cet homme-là. Parce qu'on va avoir besoin de Théobald et on va lui mettre une armée assez importante, notamment parce que les canonniers et les... Et les mousquetaires sont très bons pour écraser les armées adverses. Upgrade is finished. Donc pourquoi s'en priver dans ces cas-là? Et là, je voulais regarder un petit peu ce que ça coûtait, ce secteur-là. C'est envoyé, d'accord, avoir une cathédrale, donc avoir 8, 4 et 3, d'accord. On n'y est pas encore. Et je vais lancer de l'amélioration, je crois, ici. Et ça va être fait. Voilà, on va essayer d'avoir au moins les secteurs spéciaux et voir si Mathéus, qui a pour l'instant commence à lever une armée, arrive à repousser Wolvering, et dans ces cas-là, si nous on peut en profiter. En tout cas, voilà, maintenant on a plus que des améliorations. Et donc on va user beaucoup moins de marteaux et on en aura besoin pour prendre la cathédrale. Ça nous demande quoi ici pour la production, ici du bois et du fer, on n'a plus de fer. En tout cas, bon, la fonderie va pouvoir être améliorée, ça c'est une bonne nouvelle. You successfully upgraded a building. On va pouvoir monter nos mousquetaires aussi. Pour l'instant, le général n'est pas encore arrivé.
Mais ça ne devrait pas tarder quand même, pas tant que ça, en tout cas. One of your fortifications has successfully ça, been c'est upgraded. Très bien, déjà on a cette fortification là. Je vais augmenter celle-là aussi. Voilà, bon, Lord of the Rings a maréchal, c'est normal, il a deux armées. Et il a largement les 20 soldats nécessaires. Surrender, princess, and I will spare you worse defeat. Non, on se rendra pas à toi en tout cas. Banquier, on peut l'avoir. Génie, c'est quoi génie? A étudié la technologie spéciale. Bon, on n'y est pas encore. Il nous faut déjà pouvoir avoir la cathédrale. On a ici une bonne armée. Le problème, c'est qu'il faudrait presque profiter que Mateus, si possible, attaque Wolverine pour que nous, on puisse... Parce que là, cet homme-là n'est pas augmenté. Donc on pourrait tout à fait essayer de prendre d'autres secteurs. Genre celui-ci. Qui nous demanderait quoi, d'ailleurs, en prosélytisme? 11 et 3, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir, les 11 moines? Alors, on va demander un père. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si on peut avoir les moines ici, pourquoi se priver? Ça pourrait être pas mal. Alors on a ce qu'il faut, en plus on est en train de mettre ce qu'il faut pour recruter le général. Il coûte quoi ce général d'ailleurs? 10 d'or. D'accord, 10 d'or et une épée. Donc on n'a pas encore tout à fait notre or. Niveau commerce, on est en train de faire nos ventes, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On a nos vêtements qui sont en train d'augmenter en vente, ça c'est plutôt pas mal. Fortification upgrade is finished. Voilà, c'est protégé. Normalement on peut pas plus, hein, voilà. On peut pas plus. Lui il a plus rien à faire, mais on va le laisser pour l'instant. Je vais regarder du côté de Wolverine où est son or. Ah oui, mais il a plusieurs secteurs où il peut avoir de l'or. Ici et ici. Donc on va s'approcher de ce secteur là. Voilà, c'est ce secteur là. Voir s'il a de l'or. Il lui reste plus de 10 d'or ici. Donc il va être plutôt gêné, je pense. Et si on prend ce secteur là, on le prive d'or complètement. Il va devoir faire des ventes. Et on le verra peut-être en commerce. Voilà, encore un nouveau mousquetaire. Les novices qui sont en train de se faire, ça c'est toujours une bonne nouvelle pour nous en tout cas. Il faut quoi? Ok, bon pour l'instant. Le relieur va se mettre au travail pour qu'on ait un livre supplémentaire. En nourriture, on tient le pavé pour l'instant. On a toujours très peu de... On n'est pas très bon en fer. Qu'est-ce qu'elle a notre production de fer qui est aussi mauvaise? Pour l'instant, elle est à plat en fait. Comme si cet homme nous rapportait pas de fer en fait, donc c'est plutôt... Fortification upgraded. D'accord, en fait je peux pas mettre ce que je pensais être nous permettre en fait de récupérer des pièces d'or et autres, pas vraiment. En fait, il ne m'use pas mes matériaux. Il me récupère de la pierre, mais il ne me récupère pas ce que je veux. Enfin, ça, c'est gênant. Vraiment gênant. Donc, on va essayer de récupérer des matériaux, bien sûr. C'est pour ça que mes mines ne se vidaient pas. D'accord. Ok, bon, moi, je le sais maintenant. Et quand on aura plus de matériaux ici, et ben on les mettra en géologue quand on sera proche de la fin pour que le nombre de matériaux remonte.
au moins c'est toujours bon à savoir ce genre de choses. Moi qui pensais que géologue était plus efficace que ça. Ah, Wolverine, il y a 20 armées. À mon avis, il va ici nous attaquer quelque part. Parce qu'il a 20 soldats. C'est qu'il a une idée derrière la tête, le Wolverine. Et Mathéus n'a toujours qu'un seul soldat pour l'instant, ce qui ne nous arrange pas. Là, je vais essayer d'avoir des cavaliers, mais il faut des chevaux. Donc, on va peut-être produire des chevaux par ici. Je rappelle que les chevaux, ça coûte pas mal en nourriture, en fait. Est-ce que j'ai d'ailleurs beaucoup de blé? 88 de blé. J'en ai quand même plutôt pas mal. Donc, on va essayer comme ça. Donc pour les chevaux, c'est 3 de blé et 2 d'eau. Donc on va refaire du blé. On va faire un entrepôt ici et de l'eau. Puisque ça va être nécessaire. Par contre, est-ce qu'on a une route commerciale qui nous permet d'acheter des outils? Pas vraiment. Donc c'est plutôt gênant. Est-ce qu'on a notre général aussi? Ah, il a banquier, notre ami Mathéus. On a Archibald qui est arrivé, donc il va avoir des armées bien meilleures. On va pouvoir lui donner des... pouvoir lui donner des armées, voilà, lui donner quelques mousquetaires puisqu'il aura de meilleurs mousquetaires contre ces généraux là. Alors celui-là c'est un général qui n'a aucune compétence, il n'a pas de meilleure compétence, mais là avec cet homme là ça pourrait être pas mal. Il y a des technologies qui pourraient nous aider plus, genre celle-ci. Ça pourrait être pas mal, il nous faudrait un père. Mais pour ça, bah, il faut augmenter la cathédrale. D'ailleurs, on est à augmenter la cathédrale, c'est ok. Je vais augmenter aussi ici pour avoir les canons. Parce que les canons vont être importants, je pense. Si on peut les donner à Archibald, ça serait pas mal. Il commence à avoir des soldats hein, ici. Hein. Pas mal, 21, ça fait beaucoup. Mais il a mis son armée en réaction à la nôtre, je pense. Mais on peut tout à fait attaquer avec deux généraux, hein, vous inquiétez pas. De ce côté-là, ça peut être tout à fait possible d'attaquer avec deux armées complètes pour venir à bout d'une seule armée. Ça peut être intéressant. En tout cas, on a l'armée pour... Alors, ce serait dommage de se priver. Et on a l'or qui tombe en cascade. En cascade, oui, en cascade, bien sûr. En cascade, ça c'est plutôt pas mal. Allez, je vais augmenter le nombre de constructions pour avoir plus d'or plus rapidement. Enfin, le nombre de ventes, parce que c'est pas vraiment des constructions, c'est le nombre de ventes. Une ferme construite ici, c'est pas mal. Donc on va pouvoir avoir des chevaux et demander des cavaliers. Par contre, il va nous falloir... Est-ce qu'on a un homme pour construire des armes? Parce que c'est pas le tout. Mais va falloir construire des armes. Et les cavaliers vont être très utiles contre les cavaliers de Wolverine. On n'a pas de forgeron. Et qu'est-ce que coûte le forgeron? Du fer et du bois. Forcément... Ce dont on a le moins. Il
réserve d'or et de ressources ici chute gravement, mais c'est normal. Ça va nous coûter cher, il va falloir faire... Je vais aller chercher quelques... attendez, ici, ça serait pour de l'or. Là, on aurait du poisson. Là, on pourrait avoir du fer. Donc, je vais revenir par ici. Et après, on partira récupérer de ce côté-ci le blé. Your building has been upgraded. On va voir un petit peu. On a enfin la cathédrale. Ah non, on a notre église, pardon. On n'a pas la cathédrale, quoi. Mais on peut avoir les pères. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il nous faudra des bijoux. Donc, je vais essayer d'avoir un orfèvre. Bon, la cathédrale n'est pas nécessaire, donc on va pas la construire. Je vais mettre le forgeron inactif pour l'instant. On le fera que quand ça sera vraiment nécessaire. Et l'orfèvre, parce qu'il nous faut... Combien de... Il nous faut 3 paires, donc on va essayer d'avoir 3 orfèvres. 3 constructions ici. Sur demande. Je vais essayer d'avoir ce qu'il faut pour le père. Pour les pères, normalement, sur demande, il devrait construire que ce qu'il faut pour les éléments. Pas plus, pas moins. Il a 22 soldats. Il a beaucoup, beaucoup de d'armées ici. Il doit être 12 ici. Et là, on est à 5. Ouais, pas mal de mousquetaires. Hein. Ça, c'est assez violent comme armée. Là, je pense que je vais mettre sur demande aussi que si on lui demande de faire des épées. Je voulais des moines là. Enfin, ici, il fallait quoi? 3 frères et 11 novices. Est-ce que je les ai? Je les ai apparemment. Je devrais pouvoir les envoyer normalement et prendre ce secteur-là. Passer l'ecclésiastique. On va dire que j'ai pas construit assez de... Non, je me suis trompé. On va demander les petits moines avant. Allez, on va quand même pouvoir essayer d'avoir un secteur spécial. Et puis après, ben, on essaiera de prendre des points supplémentaires en battant Wolverine d'un côté. Là, il commence à avoir sacrément des armées quand même. Mais on devrait pouvoir, je pense, s'en sortir. La prochaine construction, c'est l'amélioration de la caserne. Il demande des chevaux et 2 épées. Donc ça devrait se faire. Par contre, on a un maximum de population. Ça, c'est pas cool. Donc c'est parti pour upgrader les maisons. Parce qu'il va falloir monter la population très très vite. En tout cas, si on fait tomber les armées de Wolverine, ça sera toujours... très bon pour nous. You successfully upgraded. On a monté notre forteresse. On est devenu la caserne qui est devenue une forteresse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir avoir les canons. Et vous voyez que les canons, par contre, demandent beaucoup de choses. Hein. Notamment aussi des roues. Donc là aussi, je vais les construire. Mais sur demande. D'ailleurs, je vais la construire par ici. Et on devrait avoir toutes les améliorations des maisons un peu partout. Non, c'est qui a le... Ah, c'est eux, zut. Bon, c'est pas grave.
On va améliorer le maximum de maisons. Ça va nous coûter cher, mais bon, en même temps, c'est le jeu. Alors, comment ça se passe? Pour l'instant, il a 23 soldats et puis il en construit encore. Hein. Ce qui m'embête, c'est que Mathéus, lui, par contre, ne réagit plus. Il est complètement amorphe. Alors, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est que, vous voyez, bon, là, il y a quand même quelques armées. Mais c'est, par exemple, essayer de contourner, de faire en sorte d'attaquer par ici. Par exemple, si on lui brise tout ça, on lui brise quand même pas mal d'économies ici. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'éléments, de la pierre, entre autres. Upgrade is finished. Donc, on pourrait tout à fait le faire tomber. Ouais, j'ai bien envie d'avoir ça aussi, hein. J'ai envie d'avoir beaucoup de choses. Un pair, un, deux, trois, quatre. Your building has been upgraded. Allez, les constructions qui vont se faire. Alors, je vais demander des constructions ici sur demande aussi. Pareil pour cet homme-là. Je te fournis ce que vraiment si j'en ai besoin. Upgrade is finished. Toi inactif. Ce sera pas mal. Tu m'embêtes. Tu as coupé toute Your building has been upgraded. Tu m'as empêché d'avoir. D'avoir simplement plus de nourriture ici. D'ailleurs, on est où au niveau métropole? Est-ce qu'on est... Ah, on est loin derrière. Hein. Il faut vraiment faire tomber des bâtiments de votre... You successfully upgraded a building. Upgrade is finished. Parce que si on fait tomber des constructions, de toute façon, on ne peut pas déplacer cette armée-là par rapport à celle-ci. Sinon, ça serait trop dangereux pour nous. Parce que s'il nous attaque, nous on peut pas se défendre. Enfin, on aura. Vous voyez qu'il fait énormément de terre, c'est juste pour faire couler les bâtiments. Donc, il faut pas se laisser avoir. De ce côté-là, ça serait pas une bonne chose en tout cas pour nous. Est-ce que j'aurais assez pour cocher? Peut-être. Est-ce que j'ai de quoi construire des cochons? Je vais faire un grenier ici, voir ce que ça donne. You successfully upgraded a building. On va construire une nouvelle... Bon, par contre, on est complètement à l'ouest au niveau marteau. Une efficacité qui est exécrable. Vraiment que je monte mes entrepôts, ça c'est catégorique. Hein. Si je les augmente pas, je vais avoir beaucoup de mal, hein, je pense. Your building has been upgraded. Oh, ça c'est pas bon par contre. Alors ici, je vais passer en géologue parce que sinon j'aurai plus d'or. Et ne plus avoir d'or, c'est pas une bonne nouvelle. Là encore, c'est bon. On va voir si ça fait remonter le fait d'avoir des géologues, si ça fait remonter un petit peu l'or. Ça pourrait être sympa. 26 et 5. Ah ouais, quand même. Plus 1.1 pour les mousquetaires comparé à plus 0.5. Là, on a plus d'armées que Wolverine. Quoique il a 29 ici, mais bon, en tout cas, si on arrive. À le vaincre ces armées là et qu'on prend ce secteur ici, ça pourrait le repousser, on gagnerait en plus de points et ça pourrait être vraiment aussi une bonne nouvelle. Upgrade is finished. Je vais arrêter de vendre ma bière temporairement. Là, ça commence à être une guerre de position et ça va être compliqué. Vraiment, si on arrive à prendre les secteurs à Wolverine et à lui diminuer son armée, ça sera que du bénéf. Mais il faut y arriver. D'accord, c'est ici qu'on peut acheter les marteaux.
l'instant. C'est pas encore ça. C'est bien ce qu'il faut pour les moines. On a bien la bière, on a bien la place. C'est la nourriture qui manque, d'accord. On est vraiment à court de nourriture. Je pense que je vais faire la boucherie que sur demande aussi, parce que sinon on va avoir trop de... On va pas être assez efficace. Et ouais, je suis pas bon en pain non plus. Your building has been upgraded. Je vais détruire ça, parce que ça me gêne en fait, cette construction. You successfully upgraded a building. Est-ce que j'ai la place ici? Je vais refaire une maison, je pense, qui me permettra d'avoir un boulanger. Qui, mine de rien, ça commence à être urgent là. Les boulangers n'ont pas assez de nourriture. Upgrade is finished. Alors ici c'est bon, on a une construction qui est à fond. Il est à 29. D'accord, il va commencer à avoir des canons. Par contre ça c'est pas bon. Je pense qu'il va finir, on va devoir l'attaquer bien avant. Mais il a plus de mousquetaires que nous. Est-ce que je peux déplacer cette armée là ici? Oui, je peux déplacer mes deux généraux. Ça c'est plutôt pas mal. Et au niveau armé, ça nous ferait 21 mousquetaires comparé aux 20 adverses. 10 piquiers, c'est pas suffisant. Your building has been upgraded. Je vais construire des chevaux en plus si je peux. Non, c'est pas sur celui-là. C'est sur celui-là les chevaux. Allez, on va essayer d'améliorer. You successfully upgraded a building. Upgrade is finished. Alors, demeure améliorée encore une fois, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, il va falloir qu'on arrive à... Allez, je vais mettre en pause ceci parce que pour l'instant ça avance pas et j'ai pas assez de marteaux. En tout cas, là j'ai mes armées. 22 mousquetaires, 10 piquiers, c'est pas beaucoup. Comparé à Wolverine, là, il faudrait vraiment en fait faire tomber cette armée là. Il a plus que moi. Et on va faire que sur demande pour l'instant pour les... Ouais, là j'avoue que je bloque un petit peu. Alors on peut essayer d'avoir toujours les secteurs spéciaux. Hein, avoir ceci, ça serait pas mal. Mais on est très loin de tout ce qu'il faut. Vraiment très loin pour l'instant. On a récupéré de l'or, 16 d'or qui sont revenus, c'est plutôt pas mal. Je vais donc mettre un qui va miner toujours de l'or et l'autre qui va rester en géologue. Ça peut être important, je pense, de faire comme ça. Au moins, ça reconstitue les réserves pendant un moment. D'ailleurs, je vais refaire les réserves. Et après je les remettrai au travail. Je pense que ça pourrait être intéressant hein, de jouer comme ça. Non, c'est pas ça que je veux. D'accord. Au niveau du commerce, on avait vu que avoir ici des pièces d'or contre du fer, ça pourrait être pas mal. Donc je vais en déplacer deux. Une récompense de perdant. Pourquoi?
récompense de perdant, donc pourquoi pas. Ça, la nourriture, oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Siège épiscopal et banquier. Parce que pour l'instant, on n'est pas en tête, d'accord. Pourquoi pas. Mais on n'a pas perdu de bataille non plus. Il commence à avoir des canons. Et là, les, par contre, les canons, vous voyez que ça fait 4.8. C'est vraiment énorme. C'est beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, dans ces cas-là, il faut gagner au nombre d'armées. Il faut le battre. Ça coûte cher. Ça, c'est sûr. Alors, par contre, est-ce que... Mathéus va pas construire plus d'armées que ça. On pourrait prendre des secteurs supplémentaires, ce qui pourrait être intéressant. On pourrait avoir deux secteurs de plus. Mais après, il va falloir partager nos armées. Ça, ça va être un peu compliqué. Ou essayer d'attaquer Wolverine sur ses arrières. Pourquoi pas. En tout cas, peut-être voir aussi si lui ose nous attaquer. Ça pourrait être intéressant. Voir comment il déplace ses armées. Là, je vais prendre des piquets de plus. Ça pourrait être pas mal. Il a combien en banque, Mathéus? Il a 29 pièces d'or, hein, d'accord. Donc, il a quand même plutôt pas mal. Pour l'instant, il s'en sert pas. Ce qui nous arrange peut-être pas tant que ça. Je vais prendre ce secteur-là. Il est prosélytisme. Si je peux. Oh, il nous manque combien pour avoir un secteur spécial? 8-4. Il nous manquerait un frère. Il nous manquerait un frère. Et les frères sont en train d'être préparés. Alors, canon, d'accord. Je pense qu'il va augmenter son autre armée, hein, en tout cas pour l'instant. Ouais, il a mis des canons. Moi, j'ai programmé des canons. Pas du tout. J'ai programmé deux canons ici. Des soldats formés en plus, ça c'est plutôt pas mal. Ici, non, pas encore. On va te l'amener, c'est pas grave. Allez, on va accélérer un petit peu les routes par ici, ça peut pas faire de mal. Alors, niveau or, ici ça va toujours se tenir, je pense. Là, c'est remonté un petit peu, ce qui est plutôt pas mal. Ici, la coquerie fonctionne à plein régime, donc on devrait pouvoir avoir rapidement, je pense, des éléments. Alors, 10. On aurait théoriquement plus que lui, mais après, c'est là où on va bloquer, je pense, c'est au niveau des armées, hein. J'ai bien envie de tenter, mais le problème c'est qu'il a une autre armée derrière et qu'il risque de l'amener. Et qu'il faut passer ça aussi, il faut passer la tour. Et ça, c'est autre chose. Plus 1-5, c'est pas énorme, hein, contre les tours. En tout cas, si on arrive à détruire les tours, on pourrait affronter directement son armée, ce qui pourrait être pas mal pour nous. Mais il va falloir bien plus de soldats que ça, bien plus de mousquetaires que ça. En tout cas, bon, j'arrive à quand même à aller plus vite que lui au niveau des armées. Ce qui est plutôt plaisant, hein, franchement. Parce que lui, il se bloque un petit peu assez au niveau de ces armées-là. Il a un bonus quand même. D'accord, oui, c'est son général qui lui donne des bonus en plus. Je vais faire cette amélioration là, hein. Elle va vraiment être importante, j'ai pas le choix. Il me la faut. Tant pis pour le secteur, mais en même temps, il faut avancer.
Et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Parce que mine de rien, c'est pas si évident que ça. Donc, on va mettre pause. On va s'arrêter là pour cet épisode. On aura progressé, entre guillemets. On aura fait monter nos armées. Il va falloir faire, de toute façon, un combat contre Wolverine. On n'aura pas le choix. Si on lui prend pas ce secteur central et si on n'avance pas, on va pas... Si on lui prend le secteur, on va baisser son nombre d'habitants. Ce qui est plutôt pas mal. On va baisser son nombre d'armées, ce qui est très important aussi. Nous, on pourra toujours augmenter la nôtre. On a les revenus pour. Il va falloir prendre les secteurs spéciaux. Donc, à un moment, il va falloir qu'on débloque la situation. Et je pense que là, on ne va pas avoir d'autre choix. Donc, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !